depuis le début de l'épidémie Covid, mon hôpital, qui est l'hôpital de Versailles, a été très rapidement un hôpital dédié Covid. Donc on a plus que doublé les capacités de réanimation dans cet hôpital. Et donc l'activité a été intense. Il y a eu une mobilisation générale qui s'est faite de façon très spontanée, coordonnée et avec énormément de bonne volonté et qui a été bien sûr exemplaire comme dans beaucoup d'hôpitaux. En ce qui concerne mon cas personnel, j'ai rejoint les renforts Covid, c'est comme ça qu'on les a appelés, au niveau du SAMU 78. En ce qui concerne l'hématologie, puisque c'est ma spécialité à l'hôpital, j'étais l'ancien chef de service du service d'hématologie et oncologie. Ce service a continué à fonctionner sans accueillir bien sûr de patients Covid, mais nous avons converti toutes nos consultations de présentiel en téléconsultation. Je fais partie de la section des affaires sociales et de la santé au Conseil économique, social et environnemental. Et donc, nous travaillons actuellement à un avis sur l'hôpital, et en particulier l'hôpital dans son environnement, c'est-à-dire on ne veut pas évidemment dissocier les problèmes et la crise que connaît l'hôpital actuellement des problèmes généraux de la santé. Donc nous travaillons sur ce sujet, nous avions décidé de travailler sur ce sujet avant le début de l'épidémie. Bien sûr, ce qui est arrivé pendant l'épidémie illustre certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans la gestion et ce qui peut être fait ou pas au niveau de l'hôpital. Nous avons déjà commencé à travailler, nous avons commencé les auditions, nous ouvrons une plateforme citoyenne où les citoyens pourront s'exprimer sur leurs attentes au niveau de l'hôpital. Et enfin, nous prévoyons probablement, si cela est possible compte tenu des circonstances, une conférence mi-juillet où l'on pourra faire parler à la fois les pétitionnaires nombreux qui interviennent régulièrement sur l'hôpital, les collectifs qui se sont créés pour défendre l'hôpital public et également les syndicats médicaux.